Mes chers amis, bonjour. On se retrouve pour une vidéo où on remet les cochons à l'honneur. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu des full cochons. C'est un full cochon revisité que je vous présente aujourd'hui. Il n'est pas tout à fait full parce que on va le trouver dans une version hybride. Vous avez vu qu'en ce moment, je vous parlais un petit peu des compositions hybrides. Entre autres, il y a le golem héros avec molosse ballon derrière. Il y a l'héros avec guérisseuse que je vous ai présenté lundi dernier. Lundi dernier, je ne sais pas si il est dernier ou pas par rapport à là où je vous parle. En tout cas, je vous ai parlé de ça. Et avec pareil du molosse ballon derrière. Aujourd'hui, là, c'est plutôt pour de l'HDV9. Alors, ça, c'est un très, très intéressant parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent oui, mais tu penses que aux gens qui sont maxés, etc., high level, pense aussi aux petits ou aux moyens, moyens high level. Et donc, voilà, aujourd'hui, c'est les HDV9. Je vous propose des compos qui fait du 3 étoiles. Et regardez, c'est sur des compos, enfin, sur des villages qui sont plutôt anti 3 étoiles avec l'HDV décalé, les défenses, enfin, les trucs un peu dissymétriques, etc., certains compartiments casse-pieds. Et là, on voit une défense en fait de Juju 78-98 que je remercie du clan Sur Warrior de parce que je le remercie parce qu'il m'a filé 3 gameplay dont une défense de sa part où il se fait bah là, il prend cher en fait et lui-même je pense je sais pas si s'est inspiré de ça ou s'il connaissait déjà avant la méthode ou peu importe le pourquoi du comment mais en tout cas il a utilisé aussi cette méthode là pour faire un carnage et on verra ça dans les 2 gameplay suivants. On va revenir un petit peu sur la composition mais c'est à on va pas dire classique parce qu'il n'y a pas encore classique vu que c'est encore des méthodes récentes. Mais dans cette méthode là, vu qu'on est sur un HDV9, on va pas avoir un comportement type foudre pour le château de clan et les sauts aussi qui vont servir à déclencher le château de clan. On va déclencher le château de clan avec les cochons. On va utiliser 3 sorts de soins, un sort de saut. Les cochons déclenchent le château de clan, on attire les troupes à l'extérieur, on va simplement utiliser le golem qu'il y a dans le camp et le golem dans le château de clan offensif pour avancer vers là, on veut pénétrer avec les héros et en même temps les troupes du château de clan défensif vont aller sur les golems, les sorciers derrière et la reine et le roi vont s'occuper du château de clan défensif. En même temps, on rentre dans le village, on essaye de... Visiblement, les héros sont toujours du côté de l'HDV, qui est décentré, on va aller essayer de prendre l'HDV avec les héros, en tout cas, ils vont fortement contribuer. Et les sorciers derrière. Et donc, les golems vont protéger les héros dans leur avancée. Une fois qu'une partie du village est j'ai envie de dire, balayée par les héros, les golems qui protégeaient devant, c'est les cochons qu'on envoie. Alors, on les envoie comment? En ligne, en double ligne, en one shot, tous du même endroit, ça dépendra, j'ai envie de dire, un peu, c'est un peu vous qui voyez, mais il faut observer plutôt en fonction de ce qui reste dans le village, en fonction du positionnement des bâtiments défensifs, en fonction aussi des trous que vous voyez dans le village, s'il y a de la double bombe géante ou pas, faire attention à tout ça. Pour pas se faire cramer tous ces cochons one shot parce que vous les avez envoyés dans un point où il y a les doubles bondes et que la sort de soin ne pourra rien d'entrée de jeu. Voilà un gameplay offensif de sa part. Donc on regarde les deux golems. On a vu qu'il a senti le château de clan avec quelques cochons. Une fois qu'il l'a redirigé un petit peu avec un archer vers le coin où il va attaquer, le coin qui est plutôt voilà, côté exposé avec l'hôtel de ville qui va choper avec les héros, il a mis les deux golems. Les sorciers derrière et là, le roi reine qui ont détruit le château de clan. Le sort de saut qui permet d'avancer plus vite et de faire avancer aussi les golems qui continuent à être protégés. Les héros, donc vous s'occupez de prendre. À part la reine qui a un petit peu de retard là, mais qui se dirige plutôt côté château de clan. Puis là, en fait, c'est les sorciers qui vont s'occuper, pardon, pas du château de clan, de l'hôtel de ville. C'est les sorciers qui s'en occupent. Pendant ce temps-là, lui, il avait envoyé ses cochons de l'autre côté du village. C'est très intéressant parce qu'en ce moment, moi, je suis en train d'utiliser une composition aussi à base de quelques cochons, pas autant que lui, mais aussi une technique comme ça. Je pense que ça va être très très intéressant. Il y a peut-être moyen de répondre à cette technique parce qu'elle fonctionne bien. D'utiliser en fait une partie des cochons pour aller sur un autre côté de village et en fait de faire une double progression dans une attaque. C'est un peu différent et j'aime bien. Souvent, on fait des attaques à un point. C'est très très classique d'attaquer par un seul point un village. Là, l'attaquer par deux points avec une partie cochon qui part sur un côté et d'autres parties qui clignent l'autre côté. Les cochons qui tournent pas mais qui voilà qui progressent que sur une partie, c'est très intéressant, ça fait des gros carnages, il y a moyen de faire du 3 étoiles, il y a moyen de faire des gros 2 étoiles sur des grosses bases, je vous montrerai ça aussi avec mes essais à moi, pour ceux qui suivent, mais là ils ont vu des choses en direct, donc c'est très 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 intéressant. Voilà, ça va faire un 100% aussi. Après l'histoire du timing, ben voilà, c'est important aussi.
de gérer un peu son timing, puisque golem, quelques sorciers, héros, surtout si vous n'avez pas d'héros super poussés, ça prend du temps de cleaner tous les bâtiments, etc. S'il vous reste peu de cochons à la fin, il peut avoir un problème de timing. Problème de timing qui vous coûtera peut-être de ne pas choper la troisième étoile ou de faire le 1 an, parce que sur des bases comme ça, anti 3, j'ai envie de dire que l'hôtel de ville vous le chopez quasiment forcément avec les héros ou les sorciers. Par contre, faire attention sur les bases classiques, effectivement, de ne pas louper l'hôtel de ville. On pourrait faire des fois à 95% et une étoile parce qu'on n'a pas chopé l'hôtel de ville, ce serait dommage. Pareil ici, encore une fois, c'est des designs vraiment d'HDV9 très complexes. Hein. On fait très difficile de faire 3 étoiles là-dessus. Moi, j'ai même vu des HDV10 fail des 3 étoiles qui n'arrivaient pas avec des troupes maxées, des gros héros de pas passer sur des villages comme ça. C'est assez impressionnant. Donc, c'est vraiment des bons designs, ça, en défense. Et là, la compo vraiment se prête très très bien à gérer un 3 étoiles là-dessus. Donc, pareil, le roi, la reine, le sort de sceau. Alors les soins, on n'en a pas parlé. Alors là par contre, regardez, il a décidé de partir en bas. Me demandez pas pourquoi, moi je serais peut-être parti d'un autre côté, pas trop loin. Là il est vraiment parti très loin de l'autre côté des héros. Je sais pas, est-ce que ça serait pas passé de l'autre côté? Je pense que ça aurait pu passer aussi. En plus là il se prend quelques bombes géantes. Mais au final il va très bien s'en tirer. Ce qui serait peut-être intéressant, c'est aussi de voir des cas où ça faille, mais ça j'en ai pas. Pour l'instant, je suis très content d'avoir ces gameplays là parce que la technique me paraît très sympa. Beaucoup de gens me demandent quel compo utiliser pour faire du 3 étoiles sur HDV9. J'avais fait une vidéo là-dessus qui montrait plusieurs techniques avec du quadro molos, avec un peu de cochon aussi, mais pas tout à fait fait comme ça, et avec je sais plus, avec du go evap aussi, il y a moyen. Mais là, sur un cas comme ça, je pense que le cochon tel qu'on le voit est vraiment une méthode très très adaptée. Ça me paraît pas méga compliqué de l'utiliser. Faites attention aussi avec vos sorts de soins. Je vois beaucoup de gens qui les mettent très tôt. Ils sont un peu frileux, ils sont un peu peureux. Ils disent vite, 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 les cochons arrivent. Je les mets alors qu'ils sont encore en bonne santé. Faut pas les mettre tout de suite. Et puis pensez à les mettre dans la progression. Mettez pas au moment où ils arrivent devant la défense. Pensez à ce qu'ils vont faire après. Donc mettez la défense en question un peu en limite du début du saut, du sort de soins, pardon, et le reste qui s'étale vers l'endroit où vont se diriger après les troupes. Donc essayez de penser de manière en mouvement. Voilà, vos sorts de soins, et aussi pour les sorts de rage, pour ceux qui utilisent les sorts de rage dans d'autres compositions. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un beau petit pouce bleu, ça me fait plaisir, et partagez à vos amis cette compo d'attaque très intéressante. N'oubliez pas de mettre un petit commentaire si vous avez envie de poser des questions ou voilà, partager votre retour d'expérience sur cette compo. Ciao les amis, à très bientôt.